Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, je commence cette, ce, ce petit morceau de vidéo en très bonne compagnie parce que je voulais vous montrer quand même Ondine qui va très très bien puisque j'ai eu pas mal de questions la concernant. Puisque la, la semaine dernière, dans le, enfin, dans le dernier vlog, je vous disais qu'elle avait été opérée et euh, j'ai eu des questions euh, ben, me demandant si elle allait mieux, etc. Ce qu'elle avait eu et. Euh, et du coup, voilà, on dit ne va très bien, elle, est, elle se rétablit très vite, elle est trop mignonne, la vétérinaire euh, l'a vue une deuxième fois pour vérifier un petit peu les points, etc. Et ça va vraiment très bien, en plus elle a été adorable, elle a pris tous ses médicaments, enfin voilà, impeccable. Eh, hein et ma fifi. oui on va s'installer, je le sens bien là, <laughs> bon je pense qu'elle va s'installer dans les bras. Alors, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo euh, posée. Ah ben, elle a fait une espèce de soupir, genre... Euh, bon, euh, on va faire une petite vidéo posée, comme Ondine s'est posée, ben, voilà, on va se poser. Euh, C'est une vidéo que j'ai déjà fait, euh, ce, ce style-là, euh, style je l'ai déjà fait. Nougatine, Nougatine, il n'y a personne. Voilà, alors quand ils entendent des... un bruit, un bruit, un seul bruit... On est alerté. <laughs> Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc voilà, c'est une vidéo que c'est un thème que j'ai déjà fait. C'est tout simplement répondre aux questions de, de mes abonnés euh, que j'ai eu soit en commentaire sous les dernières vidéos, donc je suis remontée un petit peu dans les vidéos, euh, soit euh, sur Instagram. Et là c'est principalement sur Instagram d'ailleurs. Et encore j'ai j'ai pas fait tous les messages que j'ai eu. Je suis très en retard sur Instagram pour répondre et je m'en excuse. <laughs> parce que vraiment, euh, voilà, Instagram, j'ai un petit peu mis de côté, parce que ça prend beaucoup de temps. C'est assez, euh, euh, ouais, ça prend vraiment beaucoup de temps dans, dans la vie de tous les jours. Il y a, enfin, j'ai beaucoup d'autres choses à faire que d'être sur Instagram. Et du coup, euh, du coup, voilà, je suis en retard pour répondre. Et j'ai pris quelques petites euh, questions sur les plantes, évidemment. Et euh, j'ai marqué vite fait D'habitude je note toute la, la question Mais là avec mon pouce J'ai noté juste là euh, les, les, les mots clés on va dire de la question euh, Parce que là mon pouce C'est juste pas possible euh, D'ailleurs pour répondre Parce que j'ai eu pas mal de, de retours euh, au sujet de mon pouce Alors oui j'ai de l'arthrose Et oui c'est une tendinite a priori Et euh, Et j'ai mon attelle Qui arrive demain Elle est commandée euh, une attelle exprès, euh, voilà, parce qui avait pas ma taille, parce que euh, j'ai des petites mains, et, euh, et du coup, elle arrive que demain alors je fais attention, mais j'ai super mal, et je peux pas, ben, je peux quasiment pas écrire, <laughs> voilà. Euh, donc, les questions. Alors, la première question, par rapport à Ondine, qui n'a rien à voir avec les plantes, mais tant que je l'ai, je vais peut-être la poser après, mais enfin, elle a l'air d'être bien. Euh, on m'a demandé qu'est-ce qu'a eu Ondine. Bah, en fait, Andine, c'était la seule qui n'était pas stérilisée de tous mes chiens. Et euh, comme les mâles étaient stérilisés, euh, c'est vrai que bon, je je, je laissais courir quoi le, le, la, la stérilisation. Nous Gatine a été stérilisée l'année dernière, il me semble, mais elle a été stérilisée euh, en urgence, en fait. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu euh, des gros gros soucis d'un seul coup. L'amener en urgence, on a failli la perdre. Il a fallu lui enlever euh, l'utérus, les ovaires, euh, tout euh, très rapidement dans la foulée en fait en urgence et, euh, et on a on a failli la perdre. Euh, comme elle n'était pas stérilisée, on dit, non et que j'avais peur qu'il y ait le même souci euh, sur elle. Et que on suspectait des des kystes sur, euh, sur dans l'utérus. Euh, J'ai demandé à ce qu'on me la stérilise et soit on lui enlevait juste les ovaires, soit c'était l'utérus et les ovaires s'il y avait des kystes. Euh, et puis un petit détartrage par la même occasion puisque des petits chiens, c'est toujours sujet au tartre. Euh, voilà. Et finalement il y a il n'y a pas eu besoin d'enlever l'utérus donc j'étais très contente parce que c'est quand même plus invasif. Et euh, juste euh, les ovaires, donc euh, voilà, ça s'est bien passé, après ça reste des tout petits chiens, elle fait 2 kilos, donc ça reste des tout petits chiens, c'est toujours un peu plus délicat, et, euh, et sinon ça s'est bien passé, elle va très bien, vous voyez, elle a mis, euh, allez, 3 jours pour un peu, pour arrêter de se cacher, on va dire, pour arrêter de... Euh, voilà, elle ne voulait pas qu'on la touche, elle ne voulait pas... Enfin, euh, voilà, mais là, ça va mieux. Et euh, on, a on a enlevé, on a écarté les, les risques de kystes, de, de, de choses de ce type-là, parce que... Voilà, c'est mieux. Ensuite, et qu'est-ce que tu fais là Ça va Bah oui, Bounty est installé. Lui, il aimerait bien être dans mes bras. Alors, j'ai eu des questions... Euh... Un peu sur ouais, différents trucs. Euh, la dernière que j'ai notée, je vais, je vais passer par, euh, je vais attaquer avec la dernière que j'ai notée. Ça parle des fougères. Euh, on me demande si mes fougères sont en pont et euh, est-ce que du coup je les arrose par capillarité. Alors, euh, les fougères, moi, elles sont pas en pot. J'ai aucune fougère en pont Elles sont dans des pots à réserve d'eau par contre. Par capillarité, on va dire un peu euh, oui, puisque dans le fond du pot, il euh, faut que je vous montre en fait les, les pots. Alors je vais je vais essayer de filmer et de vous mettre en même temps les images. Euh, en fait, les pots à réserve d'eau dont il est question, il y a euh, donc le, le corps du pot et puis il y a une soucoupe. Et la, dans le fond de la soucoupe, il y a un... Euh, un truc euh, comme ça à peu près où euh, la terre et les racines peuvent se mettre et du coup pompe l'eau dans la soucoupe c'est ça une réserve d'eau c'est pas comme s'il y avait juste une petite soucoupe euh, et que quand on arrose il y a de l'eau pas du tout là c'est vraiment une réserve d'eau on remplit cette réserve d'eau et ça peut euh, durer assez longtemps en fait elle euh, elle boit oui par capillarité finalement euh, via euh, les racines directement qui sont euh, qui ont qui ont poussé en dessous et donc qui baigne dans cette réserve d'eau. Euh, c'est la marque, je saurais pas vous dire la marque que c'est. Euh, c'est, je peux pas vous attraper comme ça. Je vais vous montrer en vidéo, je pense. Je peux pas vous attraper comme ça parce que je vais me faire mal, c'est sûr. Euh, donc, euh, mes... donc, mes fougères, elles sont dans un terreau. Euh, alors, j'utilise toujours le même terreau, le terreau à semis, euh, avec un petit peu de... Alors là, je crois que c'est de la vermiculite que j'avais mis, c'est pas de la perlite. Ou alors, j'avais mis les deux, perlite et vermiculite, euh, pour le drainage, parce que euh, pour des pour des fougères il faut aussi quand même du drainage il faut de l'aération en fait dans le dans le substrat euh, en fait c'est une généralité on va dire Là, toutes les plantes ont besoin d'aération pour que les racines euh, en fait respirent ne soient pas tassées dans du terreau c'est pour ça qu'on met jamais du terreau tout seul ou de la terre toute seule et On met en principe quelque chose pour drainer, aérer, et ça va être de la perlite ou de la vermiculite. Donc là, c'est tout ce que j'y ai mis. Hein. C'est vraiment euh, terreau perlite ou terreau vermiculite ou terreau perlite vermiculite, mais euh, simple. De toute façon, je fais toujours simple. Alors après, euh, le Monstera. Ah oui, alors euh, on m'a demandé. Alors j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont. Alors qu'ils m'ont soumis l'idée de couper le monstera. Pourquoi je ne coupe pas le monstera euh, On m'a dit aussi tôt ou tard il faudra le couper. Enfin c'est ça tombe toujours à peu près dans dans cette idée de couper le monstera. Alors pourquoi déjà je le coupe pas Ben tant que je peux ne pas le couper, euh, j'évite, j'ai pas envie, j'ai pas envie de couper mon monstera. Je le trouve beau comme ça. et, euh, et en plus quand on coupe ça donne envie à la plante de se ramifier en fait. Donc ça va pas forcément stopper la pousse. Elle va peut-être euh, plutôt se ramifier et faire deux lianes encore, je dirais plutôt qu'une finalement. Donc j'ai pas trop envie. Après, tôt ou tard, oui, peut-être que je serai obligée de couper. Je pense que oui. Mais tant que je peux ne pas couper, ça m'arrange. Euh, maintenant, ça fait six ou sept ans. Que je l'ai à peu près hein. oui parce que ma ma chaîne elle a quatre ans d'ailleurs <laughs> j'avais oublié ma chaîne a quatre ans <laughs> là maintenant elle a quatre ans en fait c'est le mois de son anniversaire ma chaîne donc euh... <laughs> donc j'ai carrément oublié j'ai zappé l'anniversaire de ma chaîne donc je vous le dis voilà c'est l'anniversaire la, de ma chaîne quatre euh, euh, ans déjà alors cette année franchement je ne fais rien de spécial je fais pas de concours je fais rien du tout euh, je vais pas faire quelque chose tous les ans à la limite quand ça fera euh, peut-être euh, 5 ans dix ans ou je sais pas mais là je, de toute façon j'ai pas envie très honnêtement je ne vais pas vous mentir j'ai pas envie de faire quoi que ce soit donc, donc tout ça pour vous dire que voilà ma chaîne a quatre ans mais mon Monstera et ça faisait au moins déjà deux ans peut-être trois que je l'avais déjà avant donc, il doit avoir 6 ans minimum. Et je ne l'ai toujours pas coupé. Et je ne veux pas le couper tant que j'y arrive. C'est vrai que là, je regarde là. Hein, C'est vrai que là, il a les feuilles qui touchent le plafond. Il faut dire ce qui est. Euh... Mais si je peux ne pas le couper, euh... voilà. Mais je n'ai pas envie. Euh, très clairement, je n'ai pas envie. On verra. C'est l'avenir qui dira. On verra. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo. Euh... Attention, alerte, je coupe mon monstera, euh, ça trouve, ça va arriver euh, bientôt, mais bon, je ne sais pas. Euh, ensuite, j'ai une question, euh, ah oui, euh, par rapport à, en fait, c'est différentes questions qui, euh, finalement, se rejoignent, parce que, parfois, on me demande... Euh, on parle de la véranda comme, euh, non, on parle de la serre comme ma véranda, on parle de ma véranda comme ma serre, et on me demande ce que c'est une serre froide, et euh, on me demande si euh, ma véranda elle est chauffée, etc., etc. Donc ça, je pense que ce sont des personnes qui sont arrivées récemment, et, et, et du coup, je vais refaire un petit topo sur la véranda, la serre, la différence, et euh, voilà. Je vais tout expliquer. Alors, dans la véranda, donc ici, là où je me trouve, c'est une pièce qui est attenante à la maison, c'est une pièce à vivre et c'est une pièce qui est chauffée. J'ai une clim ré réversible. Euh, pour euh, l'hiver donc on chauffe et pour l'été euh, on rafraîchit s'il fait trop chaud euh, parce que dans le reste de la maison j'ai un poil à granules mais sinon ici on a rajouté quand même une, une petite clim qui se lance pas beaucoup beaucoup donc ça va euh, donc cette pièce euh, en hiver elle est chauffée alors on met sur à peu près 20 degrés 19, 20, euh, jamais plus et l'été quand euh, je mets la, la clim, c'est sur 25, 26, voire 27 s'il si fait trop chaud, pour ne pas avoir trop d'écart, euh, je refroidis pas non plus trop parce que c'est pas hyper agréable du tout. Donc c'est une pièce qui est euh, chauffée, c'est une pièce comme une maison en fait, c'est la même chose, c'est en fait c'est un intérieur. À la différence de la serre, la serre, c'est une serre froide. Et la serre froide, le principe de la serre froide, c'est qu'il n'y a pas de chauffage, mais il n'y a pas non plus de clim pour refroidir la serre. La serre, en fait, elle va suivre les fluctuations de température qu'il y a, que ce soit en été ou en hiver, en, au printemps, etc. La seule chose qu'il y a dans ma serre froide, c'est un tout petit chauffage soufflant qui est là pour vraiment, au cas où, si on tombe vraiment très bas dans les températures, et que euh, dans la serre, on approche des zéros. On va mettre un peu de chauffage pour remonter, pour pas être euh, à zéro. Euh, voilà, on essaye de ne pas être en dessous des 4-5 degrés dans la serre, euh, ce qui est... Euh, en général, faisable, l'hiver dernier, on n'a pas mis du tout, du tout le chauffage, ou peut-être une fois, je crois, une, une nuit, un truc comme ça. Et encore, euh, voilà, il, il s'est même pas mis en route parce qu'en fait, il a un thermostat. Donc ça, c'est pratique. Et le principe de la serre froide, c'est qu'en fait, euh, les plantes, elles suivent la, les fluctuations des températures, euh, de, de luminosité, comme si c'était en quelque sorte en extérieur, sans subir pour autant le gel ou, les, ou la, la pluie, c'est-à-dire euh, avoir le, le pot trempé, etc. Euh, C'est très pratique pour beaucoup de plantes, euh, notamment pour les succulentes. Alors tout ce qui est succulente, de toute façon, elles sont là-bas. Euh, elles sont à l'abri de la pluie, euh, mais elles ont quand même la chaleur et le froid de l'année donc euh, et elles ont la luminosité comme si elles étaient dehors sauf que au moins elles risquent pas d'être euh, trempées et euh, d'être euh, directement au gel en fait directement euh, euh, comment dire des températures négatives là ça en fait ça empêche euh, d'avoir des températures négatives euh, ce qui ferait que je perdrais euh, peut-être certaines succulentes très certainement euh, et tous les épiphylomes, c'est sûr. Les épiphylomes ne supportent absolument pas le froid, le vrai froid. Même d'être à 5 degrés, c'est quand même limite, mais ce qui fait que ça va, c'est que je ne les arrose pas. Euh, donc c'est ça la différence avec les, avec la véranda, que les plantes dans la véranda, comme il y a le chauffage, mais en fait, je continue les arrosages, mais comme vous dans. Bon, ben, j'avais plus de batterie, ça s'est arrêté net. Je sais plus où j'en suis. C'est génial. Du coup on dîne elle est partie, ils sont allés dehors, j'espère qu'ils vont pas se mettre à boyer. Euh, je sais plus où j'en étais. C'est terrible ça quand une batterie s'arrête comme ça. Euh, je parlais donc de la, ah, oui, de la véranda, que c'est une pièce donc chauffée comme un intérieur, comme chez vous, euh... comme chez vous, quoi, c'est chauffé. Et du coup on fait des arrosages l'hiver, on... Voilà on continue l'entretien des plantes, les plantes continuent pour la plupart de pousser, il y en a beaucoup qui ne sont pas en repos végétatif du fait qu'ils fassent au moins 20 degrés et qui elles ont de l'arrosage et de l'engrais si elles poussent et du coup euh, ça va être une culture complètement différente. Ça c'est la grosse différence que j'ai entre la véranda et et la serre. Et du coup dans la véranda, je vais avoir un type de plante complètement différent. Là, je vais avoir surtout des des bon, le monstera, les philodendrons, des aoya euh, euh voilà, des plantes de des potos des plantes de ce type-là, plutôt que de, dans la serre. En fait, je vais avoir tout ce qui est succulente, euh, les cactus épiphytes. Alors les cactus épiphytes se plairaient aussi ici, j'en ai, j'ai deux ripsalis ici, mais euh, pour euh, pour leur bien-être, je sais qu'ils ont besoin d'une période de froid et ça leur fait le plus grand bien. Et c'est comme ça que j'arrive aussi à avoir de la floraison. Alors c'est pas que ça qui fait que j'ai de la floraison, hein, c'est aussi l'engrais, c'est aussi euh, le fait d'être dehors en été, etc. Mais euh, voilà, c'est pour ça que j'ai deux types de cultures euh, différentes, d'où une autre euh, une autre question. arroses tu Théoya en hiver? Alors j'étais surprise sur le coup d'avoir cette question parce que pour moi c ça me paraissait évident, mais je me dis après coup euh, les personnes qui ne me suivent pas depuis très longtemps savent peut-être pas comment je fonctionne et euh, comment dire qui va où et justement par rapport au fait que l'on chauffe la véranda, etc. Puisque j'ai déjà dit à plusieurs reprises que moi mes, mes épiphylomes et mes succulentes dans la serre, je ne les arrose pas de tout l'hiver. Alors ça peut peut-être euh, porter à confusion. Moi, mes hoyas sont dans la véranda, donc dans une partie chauffée, dans une pièce chauffée. Euh, certains hoyas supporteraient d'être dans la serre et supporteraient euh, la, la, la façon de cultiver un petit peu euh, comme les, les succulentes, certains, mais pas, pas tous. Et du coup, euh, moi dans mes hoyas, en fait, sont dans ma véranda et donc sont dans une pièce chauffée. Et donc, oui, je les arrose l'hiver. Ça serait des plantes dans la serre. Ce que je, euh, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que dans la serre, comme on atteint des températures très froides, proches de 0 degré, l'hiver, je n'arrose pas, ou, enfin quasiment pas, oui, on peut dire quasiment pas, mes plantes qui sont dans la serre. Durant l'hiver, quand on a des températures qui approchent de zéro, si vous mettez de l'eau dans un pot, non seulement elle va pas sécher parce qu'il fait froid, mais en plus, comme la plante en général est en repos végétatif, elle ne va pas boire. Et si elle ne boit pas, L'eau euh, ne sèche pas, n'est pas bu, du coup, va stagner et du coup, va faire pourrir les racines. Et euh, donc, il y a soit ça, soit l'eau qui va stagner. Si on a un coup de gel, un coup de très froid, eh ben, ça va geler directement dans le pot et geler les racines. Donc, dans les deux cas, euh, vous perdez votre plante. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que dans la serre, je n'arrose absolument pas mes plantes. Euh, J'attends. Là, par exemple, il fait très doux. Il fait très, vraiment très doux. Donc, elles, elles sont toutes arrosées encore. Les épiphylomes, les, les, les écheverias, les, les ripsalis, etc. Tout ça, là, sont arrosés euh, moins souvent qu'en été, évidemment, euh, mais sont arrosés. Parce que sinon, ben, ils auraient déjà très soif. Par contre, dès qu'on va vraiment avoir les températures qui vont descendre, c'est fini. On n'arrose plus. Ça tiendra tout l'hiver comme ça. Et si, par exemple, on commence à avoir des belles journées, des fois en février, mars, on a de très belles journées où il y a du soleil, etc. Dans la dans la serre, il y a des bonnes températures sur plusieurs jours. C'est toujours sur plusieurs jours qu'il faut regarder. Si c'est juste un jour, c'est pas suffisant pour que des peaux sèchent. Euh, si il y a vraiment des belles journées sur plusieurs jours, rose, je sais que ça va sécher et euh, ça, ça leur fera le plus grand bien parce qu'en principe, elles commencent à avoir soif à ce moment-là. Jusqu'à qu'elles aillent dehors, en fait, ça va être comme ça. Donc, voilà pour la la serre et la véranda. Euh, ah oui, j'ai une question aussi. Peux-tu faire une autre vidéo sur les potos euh, J'en ai fait une je sais pas. Peut-être il y a un an en fait. Je sais pas de quand date la dernière vidéo vraiment sur les potos. C'était une vidéo par rapport à plantagère à potos. Euh, ben, en fait, moi quand je fais mes vidéos, euh, c'est un peu euh, comment dire. Je prépare jamais mes vidéos. Alors jamais. Vous aurez euh, une vidéo qui est préparée avec un script parce que il euh, y a des youtubeurs qui font des scripts pour leurs vidéos. moi, je ne fais zéro script. <laughs> c'est vraiment comme ça me vient, alors que ce soit les vlogs mais que ce soit les vidéos comme là. la seule chose que j'ai fait, c'est marquer euh, euh, les, les, les six, six ou sept questions sur un cahier mais euh, voilà pour euh, bon, juste histoire de pas m'oublier et euh, une vidéo sur les potos là comme ça je vais pas vous dire je vais vous en faire une parce que je ne saurais même pas quoi vous dire ça me vient pas comme ça en fait euh, il faudrait que je me dise oh j'ai envie de parler de ça euh, donc je vais faire ça en fait c'est voilà, les vidéos sur demande, j'y arrive pas. Si si c'est pas de moi et de vraiment une idée que j'ai eue, et bien souvent c'est vraiment des idées comme ça que ça me vient euh, un peu brutalement, on va dire. Euh, c'est rarement euh, quelque chose qui me... comment dire qui est réfléchi depuis longtemps euh, parce que je fais en fonction aussi de comment je suis. Là par exemple je fais une vidéo euh, posée tranquille où je réponds à des questions euh, parce que de toute façon je peux ni faire rempotage euh, ni faire euh, quoi que ce soit à, à bouger mes plantes ni euh, là j'avais un truc à faire je vais peut-être le faire pour le pour le vlog mais je vais y aller mollo mollo euh, voilà, là, voilà, la situation fait que je fais une vidéo avec des questions. Alors souvent, je me, quand je vois des questions comme ça en commentaire, je me les note dans un coin de mon cahier et je me dis tiens ça, je me le garde sous le coude. Alors pas souvent, je réponds à la personne, mais après je me garde quand même la question sous le coude parce que voilà, ça peut venir dans une vidéo ou ça peut être, ça peut être comme là une vidéo que sur des questions. Mais alors une, une vidéo sur les potos, euh, là je ne suis pas inspirée, je ne saurais pas quoi vous dire à part vous donner les différentes variétés de potos à la limite, mais bon euh, euh, voilà, là je fais rien de spécial, j'ai coupé il n'y a pas très longtemps quelques lianes euh, parce que je ne filme pas non plus à chaque fois que je fais euh, un petit truc sur mes plantes. Euh, mais non, j'aurais pas grand chose à dire en fait là. Pour l'instant après, ça peut venir plus tard. Hein. Ça peut venir, euh, voilà, ça peut me euh, travailler dans l'esprit, me dire, tiens, je vais en faire une là parce que ça me ça plairait d'en faire. Il faut que ça me plaise, il faut que j'ai envie, il faut que qu y ait le, le petit truc là qui me donne envie. Sinon, moi faire une vidéo parce que... Euh, faire une vidéo parce qu'on m'a demandé telle vidéo et, et que ça me... M'inspire pas plus que ça, je peux pas, j'y arrive pas, <laughs> je suis désolée. Euh, ah oui, une question sur les lampes orticole. Alors je crois que je suis arrivée à la fin. Ça, 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 ça. ça. Ouais, lampes porticole J'ai une question sur les lampes orticole, euh, par rapport au fait que, est-ce que j'en suis satisfaite et euh, est-ce que, euh, en fait, est-ce que j'en suis satisfaite et c'était quoi après euh, ah oui, quelle euh, lampe je recommanderais Donc euh, bon, euh, ça dépend de la situation. Et... Comme ça, on okay, qu'il y avait autre chose. Mais j'ai juste marqué l'amporticole avec un point d'interrogation. Bon, Bref. Euh, je vais ouvrir mes chiens. Ils ont envie de rentrer. T'es bon Didier Tu veux revenir là T'as fait la promenade Viens. Tu veux monter, Magatine Attends. Oh là là. Hop là Et toi Aussi Attends. Voilà. Attends, je sors le cahier. Là. Ah non, mais Haribo, là, toi, toi ça ne va pas être possible. Et toi, ça ne va pas être possible. Reste avec maman, là. Voilà. Allez, tout le monde se réinstalle. Voilà. Attention aux pieds. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, Haribo, il n'a pas la taille des, des petits, là. Qu'est-ce que tu fais Tu veux monter aussi Allez. Ah ben oui. Ah ben oui. Forcément, <laughs> il n'est pas tout petit. Ah. Non mais on joue pas Ah oh non Bah non C'est en train de jouer. Non, 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 non eh, eh. On se déconcentre pas. Bon, bah. allez, c'est reparti. Coucou, c'est Karen du montage. À ce moment précis de la vidéo, j'étais loin de me douter de ce qui allait se passer juste après, pendant quelques minutes. Euh, tout ce qui s'est passé dans mon dos hein. parce que là en fait je me rends compte en visionnant ma... mes rushes et en faisant le montage donc là très honnêtement je peux rien faire euh, je pense que vous allez être obligé de revenir en arrière à un moment donné pour comprendre ce que je dis parce que vous n'allez pas pouvoir vous concentrer c'est pas possible parce que même moi ça fait deux fois que je reviens en arrière ça fait deux fois que j'arrive pas à m'écouter parce que je suis tout simplement <laughs> manipulée par mes quatre petits phénomènes à quatre pattes. Vous allez comprendre. Je vous laisse avec la suite. <laughs> Donc, on en était au lamporticole. Euh, alors, mes retours d'expérience sur les lampes horticoles tant que j'y suis j'en parle euh, les lampes horticoles ça ça change tout pour moi ici euh, c'est ça m'a permis d'avoir en fait des plantes sur ce côté là de la véranda puisque j'ai les baies vitrées qui sont toutes euh, là et que j'étais en fait obligée d'avoir toutes mes plantes là et puis de ce côté ben en fait il y avait euh, je vous montre ouais et de ce côté en fait il n'y avait rien euh, ça m'a permis de pouvoir ajouter des, des plantes parce que les, les lampes horticoles, c'est un soutien à la lumière euh, naturelle. Donc c'est un, euh, une lumière artificielle qui vient seconder, soutenir la lumière euh, naturelle pour euh, apporter le, les, les besoins en lumière euh, des, euh, des plantes. Parce que par exemple, euh, moi par exemple l'été, je parle pas de là maintenant parce que le soleil on n'a pas souvent, mais comme je suis côté est, euh, ben en fait j'ai le soleil qui va jusqu'au fond de la pièce et les potos, ils ont le soleil. Donc en fait les lampes porticoles, je les allume vachement plus tard dans la journée. Euh, parce qu'ils ont quand même un, un éclairage, même si c'est pas euh, maximal, hein, comme je vous avais déjà expliqué dans une vidéo, c'est que plus on s'éloigne d'une fenêtre, plus la. les... Les plantes sont dans le noir, même si nous on voit une pièce lumineuse euh, au-delà de 3 mètres, la plante est dans le noir. Sauf que là, j'avais vraiment le soleil qui donnait dessus. Je ferme jamais mes rideaux et j'avais moins de plantes devant les baies vitrées, donc c'était très bien. Et du coup, mes plantes, elles ont euh, la lumière euh, nécessaire. Après, pour l'hiver, moi, sans l'emporticole, j'en ai 4. Oui, j'en ai 4. Qu'est-ce que tu fais là fait quoi là il s'y fait j'ai quatre lampes euh, oui j'ai quatre lampes 2 3 j'ai quatre j'ai quatre, quatre lampes je sais même plus combien de lampes horticoles j'ai j'ai quatre lampes horticoles je vous montrerai en vidéo ce sont des en fait des carrés des des, des, euh, des plaques comme ça avec euh, plein de petites LED avec euh, des euh, euh, tout, avec tous les spectres, je vais y arriver, avec tous les spectres, parce que c'est ce qui est important sur une lampe horticole, c'est qu'il faut bien chercher des lampes avec tous les spectres, euh, s'il n'y a que 1, 2 spectre, enfin, il faut qu'il y ait tous les spectres et euh, on, alors ça se voit parce qu'il y a différentes couleurs en fait dans, dans les, dans les LED et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs une, une, bonne lampe horticole euh, qui fonctionne très bien, et qui a tous les spectres en général, c'est une lampe qui clignote à l'écran. Je le dis parce que souvent on me dit ah mais ça clignote c'est euh... Euh, ça clignote dans la vie de tous les jours ou alors pourquoi ça clignote ou ben en fait ça clignote uniquement à l'écran c'est à dire que moi là quand j'ai mes lampes porticoles allumées ça ne clignote pas je vois pas de là, ça clignote pas. Si vous, je vous montre avec la, la caméra, je filme la lampe horticole, ça va automatiquement clignoter. Mais dans la vie de tous les jours, nous, on a la pièce. En fait, on a une, ça fait de la lumière comme du soleil. Euh, faut juste pas fixer la lumière parce que c'est c'est quand même assez fort. Et euh, et du coup, ça ça clignote pas. Mais c'est important de le savoir parce que parfois euh, il, est, il est vendu des lampes dites horticoles euh, qui finalement ne sont pas très, euh, euh, très intéressantes et qui n'ont pas un large spectre euh, suffisant pour, euh, pour nos plantes. Donc il faut bien regarder ça. Alors quand j'avais fait ma vidéo, j'ai fait plusieurs vidéos sur les lampes horticoles, je vous mettrai les, les liens. Mais je ne sais pas, le problème c'est qu'à l'époque, chaque fois que j'ai reçu en partenariat les lampes horticoles, il y en a une que j'ai achetée. Deux que j'ai achetées sur les quatre. J'ai eu deux partenariats et deux que moi j'ai acheté. J'ai acheté. Euh, les mêmes lampes que euh, j'avais eues en partenariat, ce qui veut dire que j'étais très contente de ces lampes. Je ne sais pas si les liens sont encore euh, d'actualité, en fait, c'est ça que je veux dire. Euh, moi, le, les lampes horticoles que j'ai, ce sont des grandes lampes qui s'accrochent au plafond. On a mis sur câble acier, euh, du coup on peut les coulisser si on veut un peu les déplacer, et euh, elles sont très pratiques, on peut régler... Euh, mais sur les derniers euh, Derniers modèles Là on peut régler l'intensité Et euh, Et puis elles sont branchées sur euh, Sur des prises connectées euh, Donc là j'en ai deux d'allumées Et deux éteintes Parce qu'en fait ici Voilà Normalement il doit y avoir deux lampes allumées Là elles sont éteintes il n'y a pas besoin de les allumer non plus en continu euh, tout le temps. Moi, elles sont allumées à peu près. Euh, ça fait combien euh, Je pense qu'elles étaient allumées 10 heures. Et là, je vais réduire en fait le temps. Euh, le temps enfin, de, de lumière. Euh, en fait, il faut juste suivre le temps de lumière qu'il y a dehors. Euh, suivre en fait la, la baisse de, de, de lumière de jour. Et euh, Vous éteignez votre euh, euh, lamparticole quand il y a plus de quand il y a plus de lumière, c'est le, le cycle normal qu'elles auraient si euh, elles étaient devant une une fenêtre. Euh, donc euh, donc voilà, je suis très contente de mes lamparticoles. J'ai un partenariat qui va arriver avec une nouvelle lampe horticole, un modèle complètement différent. Je ne sais pas ce que ça vaudra. Il faudra que je vois si ça va me servir aussi. Pour l'instant, je ne sais pas. Enfin, je pas encore l'objet en main. Je ne sais pas ce que ça va valoir. Mais en tout cas, celles-là, elles sont très bien. Mais comme ce sont des lampes plafonnières, on va dire, ça peut pas se mettre n'importe où non plus parce qu'il bon, y a déjà un poids et c'est quand même grand euh, donc on peut pas mettre sur des, des petites plantagères par exemple ça peut pas s'installer c'est pas très pratique au dessus de la plantagère oui mais pas euh, vous savez entre les étagères vous pouvez pas mettre donc euh, donc voilà là je vais en recevoir certainement une normalement si tout se fait bien euh, une qui pourrait peut-être être intéressante pour justement les plantagères voilà, au niveau des lampes horticoles, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, euh, la... les lampes horticoles, oui, un truc que je voulais pas oublier quand même, les lampes porticoles, je m'en sers été et hiver, même si l'été, j'ai beaucoup de plus de lumière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, euh, au-delà de 3 mètres, une plante, en fait, elle a quasiment pas de lumière, donc l'été aussi, je m'en sers. Et au niveau de la consommation, oui, voilà, c'était ça. Au niveau de la consommation, je n'ai pas vu de changement de consommation d'électricité. Euh, sur ma facture d'électricité euh, je n'ai pas vu euh, de changement notable euh, ce sont des LED c'est pas quelque chose qui consomme non plus énormément il y a des choses beaucoup d'autres choses qui consomment beaucoup plus hein. une machine à laver un aspirateur euh, ça consomme beaucoup plus un micro-ondes etc euh, là ce sont des lampes horticoles euh, à LED et ça consomme pas tant que ça alors les lampes horticoles pourquoi j'en ai quatre Beh, parce que en fait j'ai une superficie euh, tout le long là en fait a éclairé euh, et du coup il m'en fallait quatre et en plus il y en a une qui est inclinée vers là-bas et d'ailleurs on le voit le Monstera apprécie beaucoup euh, la lumière euh, puisque en fait il a des feuilles qui se tournent aussi vers, vers ici ce qui veut dire que on, on, dire, ça prouve l'efficacité de la lampe horticole euh, quand vous voyez la, les plantes se tourner vers la lampe c'est que vraiment la lumière les attire et du coup la lumière est bonne euh, si euh, vous n'avez pas de, de plantes qui se tournent vers votre lampe horticole c'est que là il y a quelque chose qui ne va pas euh, c'est pas suffisant, moi j'ai carrément le monstera qui est quand même assez loin hein, parce que là il doit être à 2 mètres euh, bien euh, ouais, 2 bons mètres oh, oui, 2 bons mètres de la lampe horticole et euh, il a les feuilles qui se tournent alors évidemment il a plus de feuilles qui se tournent vers les vitres ce qui est tout à fait normal parce qu'il va chercher la la lumière naturelle, mais j'ai aussi des feuilles qui, qui sont vertes ici et qui sont bien vertes, bien euh, voilà, elles manquent pas de comment dire, elles sont pas en carence, elles sont pas, euh, elles sont bien vertes, bien bien euh, bien comme il faut, donc euh, donc voilà les lampes porticoles, c'est vraiment pour moi c'est euh, c'est obligé chez moi, c'est voilà, j'étais sceptique au début. Euh, et là, je suis complètement conquise. Après, il faut voir le modèle de l'amporticole qui, euh, qui est le mieux, ça c'est sûr. Euh, sinon, voilà, je crois que là, cette fois, je pense que j'ai tout dit. Et euh, mon cahier, ah oui je sais pas, j'avais marqué épiphyllum entretien. C'est parce que j'avais eu une question sur Instagram, euh, euh, qui, une personne qui me demandait euh, de lui donner des astuces, des tips euh, sur les, la culture des Epiphylum. Mais moi il me semble que dans le vlog j'en ai déjà parlé. Il me semble. Oui il me semble que j'en ai parlé. Hein. Je ne vais pas parler deux fois de la même chose quand même. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui était euh, ma foi euh, très euh, je pense courte. Je pense, à chaque fois que je dis ça, euh, <laughs> finalement c'est pas si court que ça mais bon euh, je pense courte, en tout cas euh, très posée, très tranquille, j'aime beaucoup répondre à, à vos questions, alors j'aime beaucoup vous vous répondre directement, mais j'aime beaucoup aussi le faire en vidéo euh, parce que ça permet de... Euh, ben, des fois de, de parler de choses que euh, d'autres personnes aimeraient, euh, voilà, aimeraient savoir et euh, ça fait du coup euh, un effet un petit peu boule de neige donc ça c'est sympa. Et puis, après, moi, je passe toujours un agréable moment quand je fais ça. Ça me détend. Ça me fait, voilà, ça me fait une vidéo détente. Euh, et puis, si vous avez aimé, si vous avez passé un agréable moment, mais je vous invite à mettre des pouces. Très important. Et encore plus important, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Euh, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!